Alors, bonjour, bonsoir, salut, chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Listen, mon USDT sur PancakeSwap ce 26 mars 2024, mesdames et messieurs, à 11h59, en fait, 59 GMT, si vous voulez. Chers amis de la bourse, comment en tirer grand profit? C'est ce que nous allons voir à travers donc ce tutoriel. Voilà, si c'est la première fois, hein, si c'est la première fois que vous me découvrez sur cette chaîne, sachez simplement que nous parlons de la bourse, du métaverse et bien entendu des crypto-monnaies. Nous parlons également du développement personnel de temps en temps. D'ailleurs, le développement personnel, l'éducation financière qui est la base de tout développement, de toute richesse. Si vous voulez, ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater donc aucune de nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, sans plus tarder, nous allons faire rapidement un tour sur le site officiel de YEM Binance pour voir l'évolution des choses, pour voir quand est-ce que la dernière phase ou la phase de ratissage, la phase qui précède, bien entendu, le pré-listen, quand est-ce que cette phase va prendre fin et comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, chers amis de la bourse, tout ceci va prendre fin dans 4 jours, 15 minutes et environ 15 heures, pardon, 4 jours, 15 heures et environ 10 minutes. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, passez à l'action maintenant ou regrettez et plus tard. Donc, la monnaie sera listée le mardi prochain à 11h, pour ne pas dire à midi et tout, ou simplement prenez donc vos dispositions. Et donc, participer à ce programme, c'est très, très simple. Il suffit simplement, hein, une fois sur cette plateforme, vous cliquez directement par ici, ou bien vous venez ici, pré-listen, donc vous cliquez là, ou bien vous cliquez sur Just Now, et là, vous êtes conduit sur la plateforme devant vous permettre donc d'obtenir l'adresse de dépôt, voilà. Et donc, ici, vous avez l'adresse unique de dépôt. Vous copiez seulement cette adresse-là. Et une fois dans votre portefeuille, vous envoyez dans votre toilette ou bien MetaMask ou bien Token Pocket, vous envoyez votre contribution minimum, c'est 25 $, et maxi, c'est 2 500 $. Et vous recevez le nombre de pièces correspondant. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, nous passons maintenant hein, sur le nouveau, en fait, pas le nouveau, sur le site, le compte Twitter, hein, nouvellement mis en ligne d'ailleurs par YEM Binance. Nous y sommes ici et donc vous aussi, vous devez vous abonner pour suivre en direct, en live désormais, les informations par rapport à YEM Binance. Donc voilà, ce que je suis en train de vous montrer par ici, c'est exactement la même chose que vous avez ici, je crois bien. Hein, voilà, les informations que je suis en train de vous montrer, c'est exactement les mêmes informations ici. Il suffit simplement de cliquer là, ça va vous diriger directement vers la plateforme laquelle va vous permettre donc d'aller trader d'aller acheter YEM Binance en toute qui est étude. Je pense la même adresse, vous l'avez ici, vous copiez, vous allez dans votre toilette et vous envoyez votre contribution, vous recevez automatiquement, bien quelques minutes plus tard, mesdames et messieurs, le nombre de pièces correspondantes à votre investissement. Chers amis de la bourse, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, nous allons à présent, hein, nous allons à présent faire un tour dans le canal de Telegram. Est-ce que c'est encore nécessaire? Je ne crois pas, mais on va quand même y faire un tour pour voir un peu les informations actualisées au sein donc de cette communauté. Et YEM Binance, et nous y sommes. Voilà, YEM Binance, audit successfully by Freshcoin. Et donc, la monnaie a été auditée. Ça, c'est la nouvelle information. Et les résultats de ces audits, voilà, nous l'avions lu hein, il y a peu, ces résultats seront publiés le 26 mars prochain, comme vous pouvez donc le voir ici, mesdames et messieurs, membres de cette communauté. Eh bien, nous y sommes, et là, le dernier rang, hein, le dernier tour, pratiquement, en fait, alors, investissez tout simplement, mesdames et messieurs, dès aujourd'hui, 25 $ et vous aurez 200 000 pièces. 50 $, vous aurez 400 000 pièces. 100 $, vous aurez 900 000 pièces. 200 $, vous aurez 1 900 000 pièces. 300 $, vous aurez 3 100 000 pièces. 400 $, vous aurez
4 millions 200 000 pièces, 500 dollars, vous aurez 6 millions 300 000 pièces, 1 000 dollars, vous aurez 14 000 pièces, mesdames et messieurs, 2 000 pièces, et 2 000 dollars, vous aurez 30 000 pièces, et enfin, 2 500 dollars, vous aurez 40 000 pièces. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, c'est l'adresse unique, ici, c'est la procédure à suivre. Alors, mais je viens déjà donc de vous faire le résumé, la synthèse de la procédure à suivre pour pouvoir donc passer à l'action, pour pouvoir acheter votre crypto-monnaie et recevoir vos pièces en toute quiétude. Mesdames et messieurs, restez focus, hein, restez câblés. Et attention, restez câblés, suivez les informations au fur et à mesure que au fur et à mesure que le projet suit son cours, en fait, au fur et à mesure que les mises à jour passent, c'est très important. Donc, on n'investit pas et disparaît du jour au lendemain, et disparaît des médias sociaux. Si vous le faites, peut-être une petite mise à jour peut vous, en fait, peut vous échapper et du coup, rater le retour faramineux sur investissement. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, puisque retour, comment faire pour avoir un retour faramineux sur son investissement, puisque c'est ça qui nous intéresse, voilà, nous y sommes. Bon, comment il faut aussi prendre, mesdames et messieurs, pour pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est très simple. Le jour J, hein, vous allez simplement sur votre Poucoin, d'accord? Vous allez sur Poucoin, vous tapez Poucoin dans votre barre de recherche. Et une telle interface va s'afficher. Ici, je suis avec mon PC. Et bien sûr, votre téléphone, c'est pratiquement la même chose également. Et donc, vous collez le contrat. D'accord? Vous collez le contrat de la crypto-monnaie. Et donc, quand vous collez le contrat, automatiquement, vous verrez les informations que vous avez ici. Vous avez exactement les informations que vous avez là. Un instant, je vais simuler. Et puis, on va voir ensemble. Je copie. Voilà. Et je viens ici, par exemple, et je vais coller. Hein. Je colle. Ceci, ça ne va pas donner la même. Hein. Je vais supprimer les surplus là. Voilà, donc vous collez le contrat. Et voilà, your everyday money, vous l'avez. Vous cliquez simplement là-dessus et l'interface là va s'afficher dans votre Trust Wallet. C'est la même chose. Et qu'est-ce que je dis? Et avec votre téléphone, c'est la même chose, mesdames et messieurs. Et vous avez ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer simplement sur Connect Wallet. Hein. Connect Wallet quelque part ici. Alors, ce wallet-là est déjà connecté. Je vais me déconnecter. Donc, voilà, vous verrez quelque chose du genre Connect Wallet sur votre téléphone en haut, quelque part là. Donc, vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur Connect Wallet. Ça va vous présenter les portefeuilles. Vous choisissez le portefeuille de votre choix. Ici, si c'est Trust Wallet, vous choisissez Trust Wallet. Si c'est si c'est Coinbase, etc. Voilà, moi, puisque ici, c'est MetaMask que moi, j'utilise. Je vais cliquer sur MetaMask. Ça tourne automatiquement. La connexion est faite. Maintenant, on va passer au trading. Vous allez voir trade quelque part. Si c'est en français, commerce. Donc, vous allez cliquer sur trade. Et là, vous venez maintenant dans la zone de vérité. Vous avez Binance en haut. Vous avez YEM en bas. Attention, il peut arriver que le jour-là, ce soir, au lieu de Binance ici, il peut arriver que vous voyez que ce soit USDT. Parce que dans l'annonce officielle, vous l'avez vu, hein, on a dit YEM bas USDT. D'accord? Donc ici, ça peut arriver que ce soit USDT. Ici, ce n'est pas grave. Vous cliquez simplement, puisque vous avez dans les pièces, vous cliquez simplement sur la flèche là. Vous allez voir que vos pièces là iront en haut. D'accord? Et vous les convertissez en quelle monnaie? Soit c'est en BNB ou bien en USDT. Donc, si c'est USDT, vous cliquez là pour changer. D'accord? Vous cliquez là pour changer, pour choisir USDT, d'accord? Et ici, si c'est tout que vous voulez vendre, vous cliquez seulement sur tout et vous avez votre, en fait, vous avez le maximum là, d'accord? Et vous descendez simplement, vous cliquez sur approuver, d'accord? Approuver. Et ça va vous demander donc des frais de gaz, d'accord? Il faut avoir donc un peu de dollars BNB dans votre portefeuille. Il y a dit dollars BNB, c'est très important. Dollars BNB dans votre portefeuille et vous approuvez après l'approbation. Et vous venez maintenant cliquer sur swap et automatiquement vous verrez. Et mais déjà, lorsque vous mettez 25 ans, lorsque vous cliquez sur max, ou bien vous mettez la quantité de YEM que vous voulez ici, et vous allez voir automatiquement son équivalence en bas. Et vous suivez le marché. Si ça vous arrange, si ce nombre de dollars vous arrange, vous validez. Si ça ne vous arrange pas, vous attendez que le marché monte d'abord. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors, donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir, hein, pour le compte donc, de ce tutoriel. Le marché, on était de façon globale, le marché cryptographique, de façon globale, était dans le rouge aujourd'hui. Vraiment, ça a commencé par prendre pour le bonheur des uns et des autres. Peut-être, le boule rond est sur le point donc, de démarrer. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, je pense, hein, que c'est l'essentiel à retenir pour le compte donc,
pas de ce tutoriel-là. C'était votre humble serviteur. Je ne sais pas si vous avez quelques préoccupations ce soir. N'hésitez pas à m'écrire directement. Je vous répondrai dans la mesure du possible, chers amis de la bourse. On va se donner donc rendez-vous pour une autre vidéo, un autre numéro. Mais attention, n'oubliez pas, non, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rater aucune donc, de nos prochaines en vidéo. C'était votre humble serviteur. On se donne rendez-vous à très vite pour un autre numéro.